Coucou les filles! Alors aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous montrer comment je vais customiser ma boîte à ATC. Alors en fait je ne savais pas comment ranger toutes mes petites ATC que je reçois. Et l'autre jour je me suis dit tiens pourquoi pas les mettre dans une boîte, une ancienne boîte de T-Box. Avant j'étais abonnée à la T-Box et donc je recevais mes box comme ça, vous voyez. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, vous voyez, il y a des petits... Oh, je vais monter un petit peu. Il y a des petits compartiments, vous voyez. Et donc, les ATC rentrent parfaitement dedans, vous voyez. Hop. Là, je les mets là. Vous voyez, elles sont toutes ici. Toutes vos petites ATC que vous m'avez envoyées sont ici. Alors, hop, j'en ai mis dans le deuxième petit compartiment. Vous voyez, c'est des petits compartiments, en fait. Et ça rentre pile poil dedans. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais pas la laisser comme ça parce que je la trouve pas très jolie, j'aime pas le bleu. Je vais la customiser. Je vais customiser cette partie-là. La partie de derrière, je verrai plus tard, mais je vais vous montrer comment je vais faire cette partie-là. Alors, je vais remettre un petit peu plus bas. Donc, ce que je vais faire en premier, je vais vous montrer de quoi je vais avoir besoin. Alors, je vais avoir besoin d'une feuille. Je vais prendre une feuille comme ça que j'ai pris dans un bloc de chez Action, un bloc 30-30 que je vais redécouper. Ma petite règle, mon petit crayon. J'ai pris ma petite boîte. Alors, je vais avoir besoin... Alors, j'ai pas de dentelle large. Je cherche de la dentelle super large. Alors, je sais qu'il y en a sur AliExpress. Mais j'ai un problème avec AliExpress. C'est que quand je veux créer mon compte, il me demande de rentrer mon adresse en anglais. Bah ouais, mais bon, mon adresse, moi, je sais pas comment elle se met en anglais. Et en fait, pour créer mon compte, il me faut que je rentre mon adresse en anglais. Alors, s'il y a des personnes qui savent comment faire, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que franchement, j'aimerais bien commander sur Ali. Mais à chaque fois, ils me demandent, quand je crée mon compte, de rentrer mon adresse en anglais. Mais il faut que je note en anglais. Mais en anglais, je ne sais pas comment ça se traduit mon adresse. Donc, bon. Donc pour l'instant, j'y arrive pas. Sur Wish, j'ai pas trouvé de dentelle super large. Donc bon, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Hein. Je vais faire avec ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc de la dentelle comme ça, de la dentelle comme ça. Je vais prendre de la dentelle en papier, des petits napperons. Et je vais prendre plein de petites fleurs. Vous allez voir ce que je vais faire, j'ai une petite idée. Alors pour commencer, je vais prendre mon... Ah oui, alors avant de commencer, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu de Wish. Avant, je voulais vous montrer. Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, j'ai reçu donc un petit paquet comme ça. J'ai commandé des petites fleurs comme ça en dice parce que je n'en avais pas. Alors, ça vous donne des petites fleurs comme ça. Vous allez voir, c'est super joli. Regardez. Voilà. En fait, c'est des dice et puis vous remontez les petites pétales comme ça. Là, j'en ai mis trois. Hein. J'ai mis trois fleurs, j'ai mis deux grandes, deux petites. Vous remontez les petites pétales et ça vous donne ça. C'est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai reçu deux dice comme ça. Je m'étais commandé de la... Ah bah, là, je sais plus comment que ça s'appelle. Je sais plus comment que ça s'appelle. Enfin, vous voyez, des pistils, voilà. Des petits pistils. Alors, j'en ai commandé des blancs. J'en ai déjà des roses et j'en ai commandé des noirs pour mettre sur du baroque ou du vintage. J'aime bien mettre des petites touches de noir. Donc voilà, j'en ai commandé. Ça, j'ai dû payer ça 2 euros quoi. C'est vraiment pas la ruine. Hein. Ceci et j'ai... Alors là, je suis un petit peu déçue. J'avais commandé des pailles, mais alors je sais pas si c'est pareil sur AliExpress, mais quand vous commandez, en fait c'est marqué couleur assortie. Alors vous croyez que c'est ce qu'il y a sur la photo, et en fait bah, au final ça arrive pas comme sur la photo. En fait j'avais commandé des pailles dans les tons un peu beige, crème, pour faire un peu du vintage, des rosaces vintage, et c'est arrivé comme ça. Alors, à part les parmes que je vais me servir, les violettes là, mais les jaunes, mais c'est pas grave, je leur couvrirai avec du masking tape et puis voilà. Donc voilà, c'était mes petits achats de ma petite livraison d'aujourd'hui. Donc, alors, on va commencer, je vais prendre la mesure de ma boîte. Alors, ma boîte fait... alors, attendez, ma boîte fait 19,2 sur... 28,5. Alors, je vais découper mon papier. Alors, j'ai dit 19,2. Voilà.
sur, j'ai dit 28,5. Voilà. Alors, vous allez me dire, où est-ce que j'ai une massico? Je n'utilise plus ma massico, hein, quasiment plus, parce que je trouve que ça fait pas des découpes droites. Voilà, tout simplement. Je trouve que la massico, des fois, bah, votre papier, il est de travers. Alors, je l'utilise pour vraiment des petites... quand je fais des ATC, des tags, des floss tags, des choses comme ça, pour les petites dimensions. Mais pour les grosses dimensions, non, je préfère prendre mon bon vieux ciseau, qui est tout plein de colle, mais bon. Mélanie, elle m'a donné une astuce. Il faut que je le fasse pour nettoyer mon ciseau avec du mire, elle m'a dit, et une éponge. Donc, je vais essayer... Mais c'est vrai qu'on devrait avoir un ciseau pour couper, un ciseau pour éventuellement quand il y a de la colle qu'on utilise. Parce que moi, j'utilise un peu tous mes ciseaux et au final, ben après, ils sont tout abîmés, quoi. Voilà, donc ça vous donne une feuille comme ceci. Donc le petit bout là, je le mets de côté et je viens prendre ma boîte. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que... Voilà. Alors je vais venir donc coller... ma page, voilà, je vais venir coller ma page sur ma boîte. Alors est-ce que je prendrais pas du double face? Je vais peut-être la coller au double face parce que j'ai peur que ça gondole. Alors je reviens, je prends mon double face, celui-là, parce que j'en ai du super fin et j'en ai du très épais. D'ailleurs, celui-là, il faudrait que j'en rachète parce que... Alors, je vais venir mettre donc mon double face. Voilà. Donc, j'en mets aux quatre coins. Je vais mettre une petite bande au milieu quand même. J'ai une autre boîte, si je pense, je vais vous la montrer après, à la fin de la vidéo, où je range toutes mes petites choses en bois qui sont prêtes à être décorées. Faut que je pense à vous la montrer en fin de vidéo. Donc ensuite, on enlève tous les petits... le petit film, si j'y arrive. Alors, ça c'est toujours je sais pas vous, mais alors moi je galère toujours à enlever les petits machins là. C'est soit on le fait ça, soit c'est du premier coup, soit on galère. Voilà. Ensuite celui-là. Et celui-là. Voilà. Donc, je viens mettre mon papier dessus. Alors là, il faut pas que je me plante, les filles. Que si je me plante... Alors, attendez, je vais me mettre debout pour être bien... Oh, j'ai ouvert ma baie vitrée, je vous dis pas, ça sent la bouse de vache. Ils ont dû mettre du fumier. Oh là là, je vous raconte pas. J'en ai pris plein les naseaux. Voilà. Alors, donc, une fois que ceci est fait, vous voyez, c'est joli, hein. Alors, une fois que ceci est fait, je vais venir mettre de la dentelle. Alors, j'aurais voulu mettre une dentelle assez large ici, mais j'en ai pas. Ça m'embête un petit peu. Alors, ce que je vais faire, attendez, je vais venir couper... Avec mon ciseau qui coupe rien, on prend un autre. Alors, je vais venir mettre ma dentelle comme ça et j'aurais voulu mettre de la rose. Alors, je pense que je vais venir mettre d'abord la rose et je voudrais mettre la blanche par-dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà coller la blanche. Alors, est-ce que mon pistolet à colle est chaud? Oui. Je vais venir la coller juste au bord. Je ne vais pas tout coller. Eh ben pourquoi il n'est pas chaud? Il n'est pas branché? Ah ben non, il n'est pas branché. Oh bah flûte.
Attendez, je branche mon. Bon, alors ce que je vais faire, je vais la coller avec la colle Matati Glue. Je la recollerai au pistolet à colle si ça colle pas bien. Marqué, j'aurais pu mettre du double face. Voilà. Alors. Alors, je ne parle plus parce que je me concentre. Voilà, je recouperai après les extrémités. Pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà. Ensuite, donc, je voulais mettre... Je voulais mettre... Oh, elle est tout emmêlée, comment ça se fait? Voilà. Vous voyez, j'aurais voulu que ma dentelle vienne jusque là, quoi. Mais bon, j'en ai pas, donc... je vais faire un liseré comme ça. Vous voyez? Et après, je vais décorer tout au milieu avec des fleurs. Je vais mettre des petits papillons. Alors, je coupe ma petite dentelle. Voilà. Je vais venir remettre ma dentelle parce que j'ai tout bien rangé, mes dentelles et tout ça. Et je ne veux pas commencer à mettre le bazar. Donc, je remets au fur et à mesure. Je mets ma petite aiguille dedans. Vous voyez? Hop! Et voilà. Et je range. Alors, est-ce qu'il est chaud, lui? Ouais, vite fait. Hein. Bon, alors, je vais mettre un petit peu de colle. Donc ici, je vais faire un trait. Venir coller ma dentelle. J'ai pas mis assez de colle. Alors, je parle plus les filles, c'est parce que je suis concentrée. Je me concentre. Voilà. Pour que ma dentelle soit bien droite. Ah, là, ça n'a pas collé. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre quand même des tout petits points de colle par endroit. Vous voyez, pour coller quand même ma dentelle. Je ne vais pas en mettre à tous les... Hop. Alors, j'ai un autre souci, les filles. C'est que j'arrive plus à imprimer de photos. Alors, je vous explique, en fait, moi, pour imprimer les petites photos vintage, shabby, tout ça, je vais donc dans images, hein, je cherche images, je fais un copier-coller, ensuite, je vais sur, sur OpenOffice, je fais coller, et hop, mon image, elle sort. Sauf que là, depuis ce matin, mon OpenOffice, il ne marche plus. Je ne sais pas ce qu'il a, j'ai fait des mises à jour et tout, il ne veut plus imprimer. Donc, ce que j'ai fait, je me suis inscrite sur Pinterest. J'ai ouvert un compte. Mais le souci, c'est que je ne sais pas comment imprimer sur Pinterest. Alors, il me dit d'enregistrer l'image, de faire une épingle, je ne sais pas quoi. Je ne comprends rien et j'arrive pas à imprimer. Je ne trouve pas la petite imprimante. Alors, c'est pareil. Si quelqu'un peut me renseigner, me dire comment faire. Parce que alors, moi, je galère complètement. Je ne sais pas. Donc, je suis un peu ennuyée parce que du coup, je ne peux plus sortir mes petites images. Alors, ensuite, je viens donc bien recouper les bords, voilà, de ma dentelle. Donc, ça nous donne ceci.
Là, ce que je vais faire, je vais venir mettre de mes, vous savez bien, mes fameuses petites perles. Alors, j'espère qu'elles vont bien coller parce qu'elles sont assez petites. Et quelquefois, elles se décollent. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai vu sur la vidéo de Mélanie, quand elle a ouvert mon petit colis, que je lui avais fait une petite page gorgeous, j'ai vu que les perles se décollaient. Alors, ça m'a un petit peu embêtée. J'espère que Mélanie, tu m'en voudras pas parce que il y aura juste à les recoller un petit peu, mais ça m'embête quand même. Donc, je vais mettre là. Je vais mettre là sur ma dentelle. Donc, je vais couper là. Je range. Je range au fur et à mesure, hein, parce que sinon, ça fait la cata. Donc, je mets un petit peu de colle. Voilà. Je viens coller mes petites perles. Voilà. Alors, je prends notre petit bâtonnet parce qu'à chaque fois, ma réserve de bâtonnets diminue. Il va bientôt falloir que j'aille en rechercher. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je pense, des napperons de dentelle. Alors, je vais travailler ma boîte comme ceci, en fait. Donc, je vais coller mes deux napperons de dentelle ici. Alors, je vais les coller, par contre, aux doubles faces. Alors, je vais mettre donc sur mes napperons. Oh, bah là, j'en avais deux. J'ai vu qu'il y en avait deux. Voilà. Donc, je viens enlever le petit film, qui est toujours galère. Oh là là, ça, qu'est-ce que c'est pénible. Bon. Ça veut pas. Bon, ça va m'énerver, ça va finir à la colle. Oh, voilà, c'est bon. Alors, je vais mettre mes petits napperons comme ceci. Là, il y en a deux aussi. Oui. Je viens un petit peu superposer l'autre. Comme ceci, ça me donne ceci. Ensuite, ce que je vais faire, je vais agrémenter de fleurs. Alors, j'ai une grosse fleur comme ça, qui est en espèce de, je sais pas, papier. J'ai eu ça dans du pot pourri. Je vais la mettre au centre. Je vais la mettre au centre. Autour, je vais y mettre deux grosses fleurs comme ça en mousse. Regardez, vous voyez? Que je vais venir mettre ensuite à côté comme ceci. Alors, je vais déjà mettre ma grosse fleur. Bon, je mets pas mal de colle parce qu'elle est assez lourde. Je vais venir la mettre au milieu. Alors, ensuite, je vais venir ici y déposer une première fleur. Ici, je vais venir en mettre une deuxième. Voilà, je vais
j'avance un petit peu mes pétales. Voilà. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Ensuite, j'ai des petites fleurs marron comme ceci. Voilà. J'ai des petites fleurs vertes en mousse aussi. Alors, le vert me plaît pas trop. Mais, ça peut faire sympa. Je suis pas très vert au niveau des fleurs, mais je voulais un vert un peu plus... Là, ça fait un vert d'eau un peu... Voilà. Je vais venir coller l'autre marron là. Alors ça, c'est des petites fleurs que j'ai en mousse chez Wish. Voilà. Ensuite, ici, j'ai envie donc d'y mettre une petite fleur verte. J'aurais voulu une fleur plus petite en vert, vous voyez, plus petite que ça. Ah, comme les marrons, mais en vert. J'ai pas. Bon, c'est pas grave, hein, je mets le vert. Oh, ça changera. Hein. Alors, je soulève mes pétales. Je viens coller la verte. Je vous montre après ce que ça va donner. Alors, pour l'instant, on est à ceci. Alors, ensuite, je vais venir remettre d'autres fleurs. Parce que je vais travailler comme ça. Je regarde, j'ai ça comme fleur, j'ai des petites fleurs violettes aussi que je peux mettre comme ça. Je regarde avant de coller ce que ça peut donner. Alors, si j'en mets une de ce côté-ci. Voilà. Alors là, j'ai des petites fleurs comme ça. Ben ça, j'ai ça à Action, moi, je crois. Que je vais venir glisser comme ça. Là, je vais venir en glisser une comme ça. Là, j'ai des fleurs comme ça aussi, des espèces de lys. Vous voyez, c'est des espèces de fleurs. Alors, je vais peut-être. Alors, attendez, ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai des pistils. Alors, mes petits pistils, je vais peut-être en mettre. Je vais en glisser là-dessous, que je vais mettre comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, déjà, je vais mettre mes petits pistils. Comme ça, mes petits pistils, ils seront mis. Je vais en mettre de chaque côté. Donc, je soulève ma petite rose. Voilà. Je vais venir coller ma petite fleur violette ici. Alors, je vais recouper peut-être le bout. Voilà. Là, je vais y mettre une comme ça. Je viens glisser. Ensuite, je vais remettre des petits pistils. Alors, je vais en reprendre dans ma petite boîte. J'ai ça aussi comme petite fleur. Alors, mes petits pistils, je vais venir les glisser là. Pour l'instant,
ça, attendez, ces deux-là ne sont pas fixés, ça nous donne ceci. Donc ensuite, donc ça c'est fixé, tout ça c'est fixé. Là, je vais mettre une violette que je vais venir glisser sous la rose. Voilà. Là, je vais remettre des petits pistils. Moi, j'adore les pistils. Je trouve ça trop joli. Alors, mes petits pistils, je vais venir en glisser là. Je vais mettre ça sous la petite fleur verte. Voilà. Alors ensuite, on va continuer notre montage. Voilà. J'ai des petites fleurs comme ça aussi. Alors. Je viens en mettre comme ça. Là, je vais revenir en mettre une autre comme ça. Ensuite, je vais peut-être terminer par deux grosses. Alors, je continue mon montage. Voilà. Voilà. Là, je vais remettre deux autres petits pistils à descendre. Ensuite, je vais venir coller la rose qui était là. Je vous montre après. Oh, les fils de colle, je vous raconte pas les filles. Ça, c'est pénible. Oh, il y en a plein sur ma petite machine et tout. Vous montrer ce que ça donne. Ensuite, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre des petits pistils blancs à remonter par là. Alors, attendez, je vais couper. Je regarde ce que ça peut donner. Voilà, je vais mettre les petits pistils blancs comme ça. Donc là, elle n'a pas collé. Je vais en mettre de l'autre côté, deux autres aussi. Ça fait un petit plus, je trouve, les pistils. Ça, moi j'adore ça, les pistils. Alors là, je sens que je vais bientôt me brûler. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Voilà. Là, je vais mettre une grosse rose. En dessous celle-ci. Voilà. Je vais en mettre une autre de l'autre côté. Et je pense que là, je vais rajouter un papillon. Regardez les filles ce que ça donne. Ah.
Alors, je trouve qu'on voit peut-être un peu trop mes napperons, mais bon. Je trouve ça joli quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je voudrais rajouter un papillon ici, un papillon rose et peut-être un autre en bas aussi, que je vais mettre sur les napperons. Donc, je mets ma petite boîte de côté. Je prends ma petite machine. Voilà, je vais prendre mes petites plaques. Non, celle-ci, j'en ai pas besoin. Je vais prendre mon papillon. Alors. Voilà. Je vais prendre mon papillon. Je le mets bien. Oula. Non, là ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Je vais mettre ma plaque dans l'autre sens. Voilà. Dans cette machine-là, le papier de chez Bureau Vallée, il est un peu épais quand même. Eh bien oui, ça n'a pas découpé. Eh bien oui, je l'ai mis à l'envers, minouille. Oh là 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 là. Donc, je recommence. Non, mais ça, c'est moi, ça. Un jour, Mélanie m'a dit, ah oui, moi aussi, ça m'arrive. Non, mais eh. Et moi, c'est tout le temps, quoi. Je crois bien le mettre et puis... voilà. Donc, mon petit papillon. Je vais prendre mon petit outil. Il est là. Hop. Voilà, ça nous donne ceci. Je vais en faire un deuxième. Alors, je vais couper mon papier. Donc, je viens mettre mon papier, mon papillon, il est à l'endroit, hein? Oui. Je mets dans ma petite machine et je me lis. Vous bougez, oh excusez-moi. Et voilà. Hop, mon petit papillon. Ils sont bien ces dailles là. Je les avais vus chez Wish. Hein. Comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc, je reprends ma petite boîte. Et je voulais mettre, voilà, mon papillon comme ceci. Et je voulais en mettre un autre ici. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle ici. Je n'en mets pas sur tout mon papillon. Je vais le mettre un petit peu à cheval sur ma dentelle. Qu'est-ce que tu as, Titi? Va là-bas dans ton panier. Regarde, je fais une vidéo. Va là-bas. Va, mon bébé. Je viens après. On va aller faire la balade. Hop, je parle à mon chien, vous inquiétez pas. Parce qu'il se demande toujours ce que je fais. Donc voilà. Et là, je vais y mettre quelques petites perles. Je vais mettre des petites perles blanches. Alors, j'ai des perles comme ça. Donc, je vais mettre des perles sur mes petits papillons. Voilà. Ah, j'ai dit voilà. On va encore me le dire. Et voilà. Bah écoutez, je pense que ma petite boîte à ATC. Alors après, ce que je vais faire, quand j'aurai trouvé de la dentelle assez large, je ferai le bord comme ça. Parce que là, ça fait pas beau quoi. Je mettrai de la belle dentelle. Je mettrai un papier comme ça. Alors attendez, parce qu'il m'en reste. Eh ben, je peux le faire. Hein. Je vais coller mon papier et après, je mettrai de la dentelle. Donc le bord, il fait.
Il fait 6,5. Donc sur 28. Donc je recoupe mon papier. Donc il fait 6,5. Voilà. 28 cm, 28,5. Voilà. Donc je viens couper ma petite bande. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous, les filles. Bon, sinon, vous passez, hein. Oh là là. Voilà. Et je vais venir mettre, donc, sur la tranche. Hein, je vais venir mettre ici. Donc, je vous remets un petit peu comme ça. Là, ce que je vais faire... ouais, je vais mettre un petit peu de... Je vais mettre du double face. Voilà, je mets juste deux petites bandes, j'enlève le petit papier, et je viens coller ma bande au bord. Voilà. Et je viendrai par la suite donc y mettre... et derrière je vais faire pareil, je pense que je vais mettre le papier comme ça et je vais faire toute ma boîte comme ça. Donc voilà les filles, donc je vous montre dans ce sens, bon peu importe après le sens hein, de toute manière. Voilà, je vous montre. Bon, une petite boîte toute simple hein, que j'ai customisée, vous voyez. Hop, et donc à l'intérieur quand on ouvre, donc il y a toutes vos petites ATC qui sont ici, vous voyez. Toutes vos petites ATC qui sont là. Toutes, toutes, toutes. Voilà. Donc, ce qui me permet de les ranger dans les petits compartiments. Et ça me fait une petite boîte. Voilà les filles. Alors, je voulais vous montrer mon autre boîte. Alors, j'ai une autre boîte. J'ai une autre boîte. Donc, où je range en fait toutes mes petites choses en bois. Vous voyez ? Voilà, toutes mes petites, mes petits rondins de bois, mes tailles, mes cœurs. Ça, c'est des petites boîtes que je vais customiser aussi. J'ai mes petits pots comme ça, enfin voilà. Et donc, celle-ci, bah, c'est pareil, je la customiserai avec vous, mais je ferai dans un style vintage, je pense. Hein? Donc, ben voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma boîte qui tombe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous les filles!